Bonjour à tous et bienvenue ce matin en notre compagnie pour cette conférence. Donc, je suis Stéphanie Rapin, je suis la directrice de l'ECV à Nantes et je suis accompagnée ce matin d'Anaïs Ménard. Je te laisse te présenter, Anaïs. Bonjour à tous. Moi, c'est Anaïs, je suis l'adjointe de direction sur le campus de Nantes et je suis également la responsable des relations internationales pour le groupe ECV France, donc pour les 5 campus. Alors, ce matin, on va parler avec vous des admissions, puisque c'est la pleine période pour ça. C'est la période d'orientation, de Parcoursup pour ceux qui sont en terminale. Et pour les autres, évidemment, c'est le moment où vous vous interrogez sur votre orientation l'année prochaine. Donc, on est là pour répondre à toutes vos questions ce matin en direct de l'école. Et puis, évidemment, on va aussi vous parler et évoquer avec vous de comment on se prépare à ces entretiens d'admission au sein de l'ECV à Nantes. Mais avant ça, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on va vous présenter rapidement l'école et puis ses formations. Donc, comme vous avez pu le voir dans les petites vidéos juste avant, l'ECV, c'est une école de référence, une école d'expertise dans les domaines de la création depuis maintenant 36 ans, dans les métiers du design, du digital, de l'animation 2D-3D et du game. Alors, nos formations, elles se présentent toutes de la même manière, ce sont des formations post-bac, du bac plus 1 au bac plus 5, avec à chaque fois le même type de schéma de formation, qui est un schéma qui a été éprouvé depuis de nombreuses années. Une première année où on va travailler les fondamentaux, quelle que soit votre filière. Une deuxième et une troisième année où là, on va explorer à 360 degrés toutes les compétences qui sont associées à un métier ou à des métiers. Et puis en quatrième et cinquième année, chaque étudiant se spécialise et prend son propre chemin vers la professionnalisation et vers l'obtention de son titre de bac plus 5, qui est bien sûr un titre certifié. Anaïs, alors, à l'ECV, 5 campus en France. Lille, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux et Nantes. Donc, pour le campus de Nantes, nous avons le cursus design, le cursus animation et le cursus game. Sachant que dans le cursus design, nous avons deux filières, le design graphique publicité et enfin l'architecture d'intérieur. À l'ECV, pardon, mon micro a été coupé, on porte des valeurs qui sont très fortes, qui sont nos valeurs d'engagement et celles qu'on donne à nos étudiants pendant leur formation. Donc, en premier lieu, l'excellence pédagogique, ça c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet d'avoir ces titres certifiés et de faire partie des meilleures écoles en termes de création. Donc, il s'agit pour nous à chaque fois d'être en mouvement grâce à nos intervenants professionnels, à notre réseau d'entreprises, à notre réseau d'écoles internationales. Tout ça nous permet à chaque fois de faire évoluer notre pédagogie et d'atteindre ce niveau d'excellence, mais surtout d'être en adéquation avec le marché, avec l'évolution de tous les métiers auxquels on prépare. Et puis, évidemment, ça nous permet beaucoup d'audace. Et l'audace et la créativité, ça, ce sont les maîtres mots de la pédagogie au sein de l'ECV. Et c'est ce que, en tant qu'étudiant, vous allez entendre pendant des années. On vous pousse à vous dépasser, à aller chercher à redéfinir les contours de votre futur métier, à chercher à dépasser tout ce qu'on peut imaginer pour essayer d'inventer ensemble votre métier, d'essayer d'inventer ensemble la société de demain. Et c'est ça qui nous porte. Anaïs, je te laisse prendre la suite.
Réseau et reconnaissance. Alors, en fait, le CV entretient des relations privilégiées avec les agences et les grandes organisations professionnelles, qu'ils soient du milieu du design, de l'animation, du game ou du digital. Et enfin, ces liens et ce réseau, il est renforcé par la présence de nos diplômés, c'est-à-dire nos alumni, donc dans de multiples secteurs, que ce soit en France, en Europe ou à travers le monde. Pour nos étudiants, c'est vraiment un tissu relationnel pour leur avenir. Et enfin, ça nous permet à nous, en pédagogie, de ne jamais rester figés sur nos pratiques et d'évoluer avec les métiers de demain. L'international, c'est un élément clé de la formation à l'ECV qui se traduit par plusieurs possibilités pour les élèves, soit de partir faire un échange semestriel dans une des écoles partenaires de l'ECV. Donc, l'étudiant part 6 mois dans une des meilleures écoles d'art, de design, d'animation ou du digital à travers le monde. Ça peut également être un stage à l'étranger. Et enfin, aussi un double diplôme, où là, l'étudiant va passer 1 an à New York ou à Sydney pour passer son diplôme dans l'école étrangère et le diplôme de l'ECV. Et enfin, des valeurs de proximité. On vous l'a dit, les fondements pédagogiques de l'ECV se sont vraiment construits autour de valeurs humaine de proximité avec les étudiants. C'est avant tout une intention et une disponibilité, que ce soit des intervenants et de l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative sur les campus. Donc, l'important, c'est vraiment, c'est une école, avant tout une communauté d'apprentissage et de partage qui doit favoriser l'épanouissement de toute l'équipe pédagogique et de nos élèves. Tout à fait. Et ce qui me permet d'ailleurs de vous dire qu'actuellement, puisqu'on est en train de parler des admissions aujourd'hui, nous, on a une école effectivement qui est à taille humaine. Ça veut dire qu'on n'a pas un nombre de classes qui est exponentiel. Hein, pour vous donner un titre d'exemple, en première année, on a 2 voire 3 classes, mais pas beaucoup plus. Et là, actuellement, nos premières classes sont déjà constituées. On est en train de constituer nos secondes classes. Donc, pour le coup, si vous tentez par le CV, c'est maintenant que ça se joue, parce que ça va assez vite. Et on tient à cette proximité-là parce qu'on connaît très bien nos étudiants jusqu'à la fin de leurs études et même au-delà, puisque cette communauté dont parlait Anaïs il y a quelques minutes d'alumni, c'est-à-dire les gens qui sont maintenant dans le monde du travail mais qui ont fait leurs études à l'ECV, est extrêmement présente et c'est une des forces de notre école, puisque ce sont des étudiants qui reviennent très volontiers, on va pas dire quotidiennement, mais enfin très, très, très régulièrement pour donner des conférences, des masterclass, pour venir juste dire bonjour, et ça nous fait toujours plaisir. Notre campus à Nantes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est en plein cœur du centre-ville, donc très facile d'accès. On a 380 étudiants, du bac plus 1 au bac plus 5. Voilà, on a 13 personnes pour gérer tout ça. Une équipe qui est dynamique, jeune, professionnelle, puisque nous venons tous des milieux de la création. Et puis, à l'intérieur de notre campus, évidemment, comme on va y passer beaucoup de temps dans l'école pendant ces 5 années, nous, on a aménagé des espaces de vie, des espaces aussi de travail pour pouvoir avoir des conditions qui sont les plus favorables possibles pour les étudiants. Donc, vous trouverez aussi au sein de notre école un studio photo, un labo photo pour développer vos photos, un studio de son, du matériel pour de la vidéo, pour de la photo. Et également, on est en train de monter un Fab Lab pour la rentrée prochaine, dont on a particulièrement hâte qu'il soit opérationnel. Tout ça pour vous parler du vif du sujet, les admissions. Anaïs, je te laisse continuer. Alors, comment se passent les admissions ? La première chose, c'est de constituer un dossier créatif avec des travaux et une lettre de motivation. Ensuite, on demande un rendez-vous d'admission, donc soit par téléphone auprès de nos équipes, soit directement sur le site internet de l'ECV. Vous passez votre entretien d'admission et un test écrit spécifiquement pour le cursus digital. Et enfin, vous recevez votre réponse sous 8 jours. Et ensuite, bienvenue à l'ECV pour la rentrée prochaine. Alors, cette façon de procéder, elle est valable pour
pour tout type d'entrée dans l'école, c'est-à-dire que vous rentriez en première année ou que vous postuliez pour des entrées parallèles en deuxième, troisième, quatrième année dans les cursus design, digital ou animation, c'est toujours le même procédé. Ça passe toujours par un entretien, simplement le niveau attendu en termes de book, puisque maintenant on va parler des book, et ça c'est un mot qu'on va entendre aussi très très régulièrement dans le processus d'admission, mais aussi par la suite, puisque c'est avec le book qu'ensuite on postule vers son premier emploi et puis ensuite pour d'autres emplois également. C'est quelque chose qui va vous suivre dans les milieux créatifs tout au long de votre vie professionnelle. Donc évidemment, quand vous souhaitez entrer en deuxième, troisième ou quatrième année, le book doit vérifier que vous avez déjà les compétences requises pour entrer dans le niveau que vous souhaitez. Et c'est évidemment à travers ce book-là qu'on va échanger avec vous sur votre parcours et puis sur les compétences que vous avez acquises dans l'école dans laquelle vous étiez précédemment. Et pourquoi est-ce que vous voulez poursuivre vos études au sein de l'ECV, ce qui est une très bonne chose. Mais pour le coup, c'est vraiment ce book-là qui va être le fondement de tout le démarrage de votre parcours au sein de l'école. Alors nous, on a coutume de donner une règle au sein de l'ECV pour vous aider un peu à constituer vos books, particulièrement pour ceux qui postulent en première année. C'est une règle très simple qu'on appelle la règle des 3 C, la créativité, la curiosité et la culture. C'est vraiment à travers ces 3 éléments-là qu'on va discuter avec vous au cours de cet entretien pour vérifier avec vous, pendant un temps d'échange qui va durer 1 heure, à la fois votre parcours, d'où vous venez, ce que vous avez envie de faire dans votre vie future, votre projet, et puis pourquoi vous voulez venir à l'ECV. Et pour ça, on a différents aspects qu'on va essayer de voir avec vous à travers votre book et à travers l'échange qu'on va avoir, c'est-à-dire votre niveau de culture. Mais la culture, c'est très vaste, hein, c'est une culture générale qu'on attend, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous porte, est-ce que voilà, vous avez certaines connaissances, soit en art, soit en cinéma, en littérature, mais ça peut être aussi en sport, peu importe. Votre créativité, ça c'est à travers ce que vous allez nous montrer, qu'on va regarder, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, avant même d'être à l'école, dans une école d'art, qui montre que vous êtes créatif. Est-ce que vous avez réaménagé entièrement votre chambre? Est-ce que vous faites vos propres vêtements? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous faites beaucoup de photographies? Est-ce que vous racontez des histoires? Est-ce que, voilà, tout ça, on va essayer d'explorer ça avec vous. Votre curiosité, est-ce que le monde qui vous entoure vous intéresse? Est-ce que vous regardez tout ce qui se passe autour de vous? Ça, c'est très important. Évidemment, on va parler de votre motivation, c'est-à-dire, est-ce que votre passion, c'était le dessin, ou le cinéma, ou le monde numérique, est-ce que cette motivation-là, vous avez envie d'en faire un métier, ou est-ce que c'est simplement une passion? Et il faut bien faire la différence. Faire de sa passion un métier, c'est une chance, mais ce n'est pas le cas toujours. Parfois, c'est simplement un loisir. Et nous, lors de l'entretien, on vérifie bien que vous avez envie d'en faire un métier. Ça, c'est primordial. Votre univers, ça, évidemment, c'est à travers tout ce que vous allez nous montrer qu'il va transpirer. Est-ce que vous êtes fan de l'animation japonaise? Est-ce que vous êtes porté par l'équitation, le judo, la danse, la musique? Tous ces éléments-là, il ne faut pas les négliger puisqu'en fait, ils racontent beaucoup de choses de vous. Et toutes ces choses-là sont complémentaires à tout ce que vous dessinez, à tout ce que vous pouvez aller voir comme expo ou tout ce que vous pouvez faire comme voyage. Et évidemment, les références, on va vous demander aussi, par exemple, lors de l'entretien, on peut vous demander, est-ce qu'il y a un film qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? Ou est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement touché et pourquoi? Parce que ça aussi, ça nous renseigne sur votre personnalité et ça nous aide avec vous à trouver la bonne orientation. Anaïs, tu veux peut-être compléter sur si on hésite? Oui. Alors, effectivement, j'ai coutume à dire aux élèves qu'ils ont choisi le CV, mais nous, on vous a choisi aussi. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc,
l'importance de cet entretien, c'est vraiment, comme le disait Stéphanie à l'instant, de comprendre qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous avez choisi cette couleur, ce dessin, cette peinture. L'intérêt, il est vraiment là et surtout, ça nous permet aussi, nous, pendant l'entretien, de voir quelles compétences sont recherchées. Et très souvent, on a des étudiants qui hésitent entre le design ou l'animation, qui ne savent pas trop entre le design graphique, la pub, la scénographie. Tout ça, en fait, pendant l'entretien, nous, on va aller chercher tout ce qu'on a évoqué, la culture, la créa, la curiosité, afin de pouvoir vous amener vers le projet qui sera le plus à même d'être le vôtre. Et c'est ça qui est important, c'est que chaque étudiant a une personnalité, un projet qui va se développer au fur et à mesure des années. Et c'est ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est de voir évoluer vos projets et de vous apporter plein de choses pour aboutir au bout. Ce qui nous permet aussi de vous dire, avant de vous expliquer particulièrement l'admission en digital, qui est un petit peu plus particulière puisqu'il n'y a pas de nécessité d'avoir de book créatif à proprement parler, hormis pour l'entrée en master UX/UI, pour ce qui est de Nantes, où là, le book est primordial. Pour les autres masters, ce n'est pas nécessairement utile. Et avant ça, je voulais juste vous préciser que plus vos profils sont différents, c'est-à-dire plus vos personnalités sont différentes, mieux c'est pour nous. C'est-à-dire que nous, que vous veniez d'un bac pro, d'un bac général, de 2 ans de droit ou de 2 ans de médecine, tout ça n'a pas d'importance pour nous. Au contraire, nous, on a coutume de parler d'intelligence collective dans nos classes et les points forts des autres sont les points faibles des autres et vice-versa. Plus vous allez avoir des parcours qui sont différents, plus les classes vont être riches et plus vous allez vous enrichir les uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est pour ça que l'entretien est primordial chez nous et que, par exemple, on ne fait pas passer de sélection sur Parcoursup, puisque ce sont une sélection sur le dossier scolaire. Ça nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse, c'est de composer des classes avec de multiples personnalités qui vont venir comme un groupe constituer le cœur de la formation et progresser ensemble. Anaïs, je te laisse prendre le relais sur l'admission en digital. Oui, alors l'admission en digital est un peu plus particulière puisqu'il n'y a pas de book à présenter. Par contre, il y a un test écrit. Alors, le test écrit, il dure 1 heure. En fait, il est composé de culture générale et de culture sur l'univers du digital. Attention, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur le test. C'est simplement de savoir si vous êtes en capacité d'argumenter ou d'expliciter vos propos en travers d'exemples que vous avez pu observer, lire, analyser, mais également sur votre parcours, comme le disait Stéphanie, qui est propre au vôtre. Et on a toujours un entretien, là encore pour le digital, un entretien qui va durer une demi-heure à 1 heure selon le parcours des élèves et selon l'entrée, en cycle bachelor ou en cycle master. Mais faut pas dramatiser sur le test. Généralement, ça fait toujours très peur quand on voit test écrit. Ce n'est pas le but. Ce but, c'est simplement de voir, là encore, pourquoi les milieux du digital vous intéressent et en quoi vous en ferez un métier. Me permet simplement de préciser que le cursus digital à partir du bachelor 3e année peut se faire en alternance. Le master est en alternance. C'est aussi pour ça que ce test est important puisque la professionnalisation se fait très rapidement puisque vous allez être intégré dans des entreprises. C'est pour ça que le type d'admission est un tout petit peu différent parce que cette relation à la culture digitale va être tout de suite éprouvée dans le monde de l'entreprise. J'en profite pour vous dire que pour les cursus animation et design, les cursus sont généralement en initial, c'est-à-dire l'alternance n'est pas possible, hormis à partir de la rentrée prochaine en master design graphique où l'alternance va commencer au sein de l'ECV à Nantes. Alors, pour la suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet du book. Je vais vous présenter rapidement quelques books avec Anaïs. On va vous expliquer à travers des exemples, quel type de book on reçoit. Et puis à travers ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que vous avez déjà produit chez vous ou de ce qui vous reste à produire potentiellement pour passer votre entretien. Et puis ensuite,
on va accueillir deux de nos étudiants ce matin avec nous, qui ont eux-mêmes passé ces entretiens-là il y a quelques temps avant d'intégrer le CV. Et on va leur poser quelques questions, ce qui vous permettra sans doute d'y voir plus clair et puis de répondre certainement aux questions que vous vous posez vous aussi. Il s'agit de Lucille, qui est actuellement en prépa art et design. Bonjour Lucille. Et de Mathis, qui est en cursus digital. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors, avant de vous donner la parole à tous les deux, on va comme ça regarder quelques exemples de book. Avant de commencer son travail de book, chez soi, il y a une collecte à faire. Évidemment, il s'agit de récupérer tout ce qu'on a déjà fait et puis de voir ce qu'on va mettre dans son book en vue de l'entretien. Donc, ça peut être des photos, du dessin, des peintures, des photos de votre chambre si vous avez aménagé votre chambre, des morceaux de musique, des vidéos. Alors je sais que Lucille, elle nous montrera tout à l'heure, mais elle avait une chaîne YouTube par exemple, ce qui était effectivement quelque chose de très personnel. Des textes, est-ce que vous écrivez des histoires, est-ce que vous faites de la poésie, tout ce qui peut vous représenter et montrer que vous êtes créatif avant même d'entrer à l'école. En revanche, en ce moment, comme on ne peut pas passer d'entretien en présence, en face à face, on fait passer ces entretiens en visio. Comme ce matin, on s'adresse à vous via Internet. Donc, vous devez nous envoyer votre book avant l'entretien. Alors, il n'y a pas de règle pour le format dans les envois. Ça peut être un PDF, des photos, un dossier avec des scans, peu importe. Par contre, ce qui est bien, c'est de ranger ces éléments dans ce dossier dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'on regarde votre book. Donc, il s'agit de nommer vos fichiers et de les ranger dans l'ordre avec 1, 2, 3, 4. Vous pouvez même créer un sommaire, ce qui va nous aider, nous, quand on va prendre connaissance de votre book, à voir où on en est dans votre présentation et puis ce qui nous attend. Sachez qu'on regarde le book avant de vous rencontrer, puisqu'on le reçoit un petit peu en amont. Donc, on fait une première lecture de book sans vous, ce qui nous permet déjà d'affiner nos questions quand on va être en face à face avec vous. Et puis ensuite, on reprend ce book lors de l'entretien avec vous et on vous pose des questions, on vous demande d'expliquer peut-être 1, 2 ou 3 projets quand vous passez l'entretien pour l'animation ou pour le design. Et à travers ces questions-là, ça nous permet de comprendre pourquoi vous avez choisi de mettre tel ou tel élément dans votre book. Alors, on va peut-être passer les books maintenant. Voilà, donc, le book de Morgane. Anaïs, je te laisse l'analyser. Morgane, donc, tout de suite, quand on a reçu son dossier, donc vous pouvez le voir, elle avait déjà composé en fait sa présentation. Donc, on voit beaucoup de dessins. On était vraiment dans un univers très porté sur le noir et blanc, sur la mise en perspective, la mise en volume. On a cherché, on a tout de suite trouvé chez Morgane un univers bien précis dans sa présentation. Et donc, on a été chercher, du coup, pendant l'entretien, voilà, pourquoi avoir choisi ces éléments-là dans ton book, pourquoi avoir toujours choisi du noir et blanc, pourquoi une représentation des choses. C'est ce genre de questions qu'on va vous poser pendant l'entretien. On en profite pour dire que le niveau de dessin n'est pas un prérequis. Vous pouvez tout à fait arriver avec un niveau de dessin qui n'est pas celui qu'avait Morgane. Elle, c'était vraiment là-dessus qu'elle voulait s'appuyer, mais ce n'est pas une nécessité. La première année sert à apprendre à dessiner. Alors, le book de Louis, qui lui voulait entrer en animation et est en prépa animation actuellement. Alors, c'était un book très hétéroclite. Et c'est ça qui nous a intéressé, c'est qu'à la fois, il avait scanné des pages de cahier, et ça, vous pouvez tout à fait le faire, hein, prendre en photo ou scanner les petits croquis que vous faites en marge de vos cahiers d'anglais, de vos cahiers de sciences, peu importe. On aime beaucoup ça, puisque ce sont des dessins spontanés, et les dessins spontanés racontent beaucoup de choses de votre personnalité. Louis aimait bien aussi s'essayer à la couleur, à des exercices plus typiques. Il regardait des tutos aussi sur Internet pour se donner des exercices de dessin de nature morte, de fleurs, et voilà. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la culture manga, donc il avait voulu nous montrer tout ça à travers son book.
Alors là, ce qu'on vous montre ce matin pour Morgane ou pour lui sont des extraits de book. Évidemment, il y avait beaucoup plus de choses, mais on a sélectionné quelques éléments de leur book pour vous donner un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Alors ensuite, on a le book de Kyria qui, elle aussi, est en prépa animation actuellement. Et Kyria, elle, ce qu'elle voulait, c'était raconter des histoires. Et on le voit très bien dans son book. Vous pouvez voir, elle avait déjà inventé des tas de personnages. Elle écrivait aussi des histoires et elle s'entraînait chez elle, à la bande dessinée, au chara-design. C'est quelque chose qui la passionnait. Donc, vous pouvez voir, voilà, soit sous format noir et blanc ou même en couleur, elle inventait déjà ses propres personnages. Et ça, ça nous a beaucoup plu. Ici, le book de Maïsan. Donc, Maïsan, tout de suite, on voit ce côté très graphique qu'elle a cherché à nous montrer dans son book. Un book beaucoup plus coloré. Donc, ce qui est intéressant dans le book de Maïsan, c'est qu'ici, il y a des choix. Donc, il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a de la nature morte, il y a une couverture d'affiche de magazine. Première page, donc nous, ce qu'on a été chercher là, c'est justement pourquoi cette affiche de magazine dans son book, pourquoi une peinture avec des représentations de couleurs, pourquoi ces choix de couleurs, le niveau de dessin. Là aussi, Maïsan a essayé de nous montrer qu'elle était en train de dans l'apprentissage du dessin. Pour nous, c'est vraiment des éléments forts. Ce qu'il faut retenir, que ce soit pour un book d'animation ou un book de design, c'est qu'on n'est pas là pour juger vos projets, absolument pas. On est là pour comprendre votre univers. Pourquoi vous avez fait ces choix? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez ça? Et en aucun cas pour juger un niveau de dessin, un niveau de peinture ou un choix, mais plutôt de comprendre. Alors, on va réaccueillir Lucille maintenant. Lucille, tu es avec nous? Bonjour. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci Lucille d'avoir accepté de témoigner de ton entretien que tu as passé l'année dernière. Alors, donc, on va avoir ton book à côté qui va défiler aussi pendant que je vais te poser quelques petites questions. Mm-hmm. Mais les questions qu'à mon avis, tout le monde se pose. Donc, tout d'abord, Lucille, en quelle année es-tu actuellement? Alors moi, je suis en première année, donc je suis en prépa art design, donc début, les apprentissages du dessin. C'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'entrer à l'ECV, Lucie? Alors avant, donc moi j'ai fait un baccalauréat scientifique, ensuite j'ai fait 2 années dans classe préparatoire scientifique en physique-chimie, et ensuite j'ai fait 1 an en école d'ingénieur. Donc c'est pour montrer qu'on peut vraiment venir de partout quand on va à l'ECV, il n'y a pas de souci. Et l'intégration se fait très bien, même avec 3 ans de décalage. Je peux confirmer qu'il n'y a pas de problème et que tout le monde est agréable et bienveillant. Et ça se fait très bien. Merci, Lucille. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passée d'un cursus extrêmement scientifique à avoir envie, finalement, d'assumer finalement une orientation plus créative? Alors, en fait, en terminale, déjà, j'étais très attirée par l'ECV. C'était une école dont j'avais entendu parler parce que j'avais la sœur d'une amie qui y était. Et tout de suite, moi, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'entendais parler de cette école parce que, au fond de moi, c'est ce qui me faisait rêver. Mais c'est plus quand on suit le parcours un peu classique, quand on est bon à l'école. Voilà, on se dit, les études, la voie royale, les études scientifiques, c'est mieux pour moi. Voilà, on se fait tous des petits scénarios. Sauf qu'au bout de 3 ans, quand même, je me suis bien rendu compte que ça me correspondait vraiment pas. Enfin, je m'en sentais pas mal, mais il n'y avait pas la petite étincelle qui fait « Ah, j'adore ce que je fais. Ah, j'aime ce que je fais. » Et au bout d'un moment, j'étais « Ah non. » Bon, à un moment, il faut que je fasse ce que j'aime. Et c'est ça qui a été le déclic. C'est que je me suis dit « Bon, si je change, il faut que je change maintenant. Si je ne change pas maintenant, je ne changerai pas. » Ou après, enfin, ce serait dommage de pas faire le pas alors que là, je sens que c'est le moment. Et voilà. Et du coup, j'ai changé et ça se passe très bien. Eh ben, on est ravis en plus de t'avoir parmi nous. Lucille, comment s'était passé ton entretien à l'ECV? Alors, mon entretien, du coup, c'était en visio parce qu'avec le Covid. Et donc, j'avais envoyé mon book la veille, quelques jours avant, donc le book que vous pouvez voir là sur l'écran. Et du coup, pendant mon entretien, d'abord je me suis présentée,
Dans l'ordre, je ne sais plus exactement, mais j'ai dû dire pourquoi le CV m'attirait, qu'est-ce qui me plaisait dans cette école. Et ensuite, j'ai présenté mon book, les choix que j'avais faits, pourquoi j'avais voulu présenter tel ou tel projet, tel ou tel dessin. Et ce qui était très bien aussi, c'est qu'après avoir fait toute cette présentation, il y a eu une partie, toute une partie entretien avec la personne avec qui j'ai échangé. Donc, j'ai pu lui poser toutes les questions que j'avais, parce que on se pose souvent beaucoup de questions aussi pratiques ou voilà. Et donc, c'était très, très bien de pouvoir échanger. C'est vraiment une conversation et je me sentais à l'aise, je me sentais écoutée. C'était pas un entretien stressant où voilà, on présente notre book et après c'est fini. Il y avait vraiment cette idée d'intérêt en fait pour l'étudiant qui postule. Et d'échange. Tout à fait ça, on a oublié de le dire, mais c'est vrai qu'après chaque présentation de book, on répond à toutes vos questions, puisque comme on l'a dit, c'est aussi un entretien pour apprendre à se connaître mutuellement. Donc, vos questions sont aussi très importantes pour nous. Alors, Lucille, comment est-ce que tu avais présenté ce book? Comment est-ce que tu l'avais préparé? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On va faire défiler ce qu'on a sur ton book. Est-ce que tu peux nous en reparler si tu t'en souviens encore, j'imagine? Je te laisse la parole. Du coup, mon book, comme c'est un PDF, je sais qu'en fait, j'ai présenté mon book de manière linéaire, donc c'est-à-dire dans l'ordre vraiment de comment je l'avais rédigé. J'avais quand même réfléchi justement pour l'ordre à mettre en premier, enfin, j'ai commencé par mettre mes projets qui étaient les plus récents, mais c'était aussi des projets les plus aboutis, ce dont j'étais le plus fière en fait. Je me suis dit, j'ai envie de bien démarrer, donc c'est pour ça que je l'ai mis au début et j'ai essayé de varier en fait ce que je proposais, parce que comme j'aime bien toucher un petit peu à tout, j'avais à la fois mis de la mise en page, comme vous pouvez voir, mais aussi un travail sur un logo. Ensuite, j'avais mis des dessins. Enfin, c'était vraiment différent. Un différent panel en fait de ce que j'étais capable de faire, et j'ai terminé par la petite touche créative un peu différente avec la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Oui, parce que toi, tu avais cette particularité-là, d'être déjà très active sur les réseaux sociaux. Mmh. Et c'est aussi ce qui nous a interpellés chez toi, c'est que en plus de toutes les qualités de ton book, en plus, tu avais créé une chaîne sur la santé, le bien-être, si je me souviens bien. C'est ça, c'est fitness, santé, recettes healthy, enfin, vidéos de sport, tout ça, quoi. Et tu as très bien fait. En fait, il ne faut rien s'interdire, parce que tout ce qui représente votre personnalité nous intéresse. Et tu as très bien fait de montrer tout ça, puisqu'au final, c'est ce qui a fait. Et qu'est-ce que tu avais ressenti à la fin de cet entretien? Est-ce que tu peux nous dire, une fois que c'était terminé cet entretien, comment ça s'est passé pour toi? Quel avait été ton ressenti et voilà, comment tu en étais sortie de ça? Mon ressenti, c'est j'étais très bien. Après, en fait, moi, dans mon cas, il fallait juste que je fasse le choix de est-ce que je continue l'ingé ou est-ce que je change. Et c'est vrai que comme l'entretien s'était très bien passé, ça m'avait mise en confiance, ça m'avait rassurée. Moi, ce qui me stressait le plus, finalement, c'était ce décalage, ce changement d'arriver, de retourner en Bac+1 alors que j'étais à un niveau Bac+4. Et de discuter, d'échanger avec une personne de l'école qui nous dit que ça se fait, qu'il faut pas avoir peur et qu'on a sûrement le potentiel pour y arriver. Ça m'avait beaucoup rassurée. Donc, je me sentais, rassurée et j'ai passé c'était agréable, oui, l'entretien, et ça s'est bien passé. Eh ben, merci Lucille pour ton témoignage qui est très clair, je trouve. Et puis on va donner la parole à Mathis. Et Anaïs, je te laisse la parole pour questionner Mathis sur son ressenti d'entretien. Bonjour Mathis. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager toi aussi ton expérience. Est-ce plaisir. Que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent en quelle classe tu es et quel cursus? Oui, complètement. Je suis en troisième et dernière année du cursus chef de projet digital, le bachelor. Donc juste avant le master, c'est la dernière étape. Et tu es arrivé en quelle année à l'ECV? En 2018, donc ça fait, là, vu qu'on est dans la période de recrutement, ça doit faire 3 ans pile que j'ai passé mon entretien. Voilà, quelque chose comme ça. Avant que tu rentres donc en première année à l'ECV cursus digital, tu faisais quoi? Alors, je suis sorti d'un bac ES très généraliste au lycée, puisque j'avais pas vraiment d'idée de quoi faire après. Ça s'est vraiment fait en terminale et j'ai d'abord décidé de partir sur Ciné Creatis, une école de cinéma à Nantes,
qui est placé sur l'île de Nantes. Et je me suis réorienté au milieu de cette année-là, donc à cette fameuse période de février-mars, post-partiel, post-premier partiel qui se sont mal passés. Et donc là, je me suis dit, ça va pas le faire. Le cinéma, finalement, c'est pour moi, mais juste pour regarder les films, pas pour les réaliser. Et donc, je me suis réorienté en choisissant la partie logicielle technique que j'avais découverte là-bas, donc notamment la suite Adobe que j'ai appris à maîtriser en partie. Et donc, ça m'a vraiment envie de vraiment conduit vers le CV avec le domaine du digital que j'aimais déjà beaucoup aussi et sur lequel j'avais hésité dans ma première orientation. Et peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi le CV, du coup ? Le CV au niveau des compétences, des diplômes, c'était pour moi la meilleure école à Nantes. Si je n'avais pas envie de changer de ville, parce que notamment on pense forcément à Paris pour ce genre de formation, Nantes, à le CV, il n'y avait pas vraiment d'équivalent. Voilà. Et puis en plus, quand forcément j'ai décidé de passer les entretiens et voir un peu de quelle façon l'école était faite, ça m'a convaincu directement. Faut savoir que moi, j'avais pas le même responsable pédagogique, mais c'est vraiment lui qui m'a guidé vers le choix de l'ECV. Voilà, encore une fois, l'entretien, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé vers ce choix. Et donc, l'épreuve du test écrit s'est bien passée pour toi ? Très bien, entretien comme test écrit. Le test écrit, oui, forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un truc qui fait un peu peur. On se dit sur quoi je vais être noté, est-ce qu'il fallait réviser avant, etc. Eh bien, pas du tout. Forcément, c'est effectivement des questions de culture générale, de culture un petit peu technique, digitale, mais ça reste très léger. Forcément, on ne s'attend pas à ce qu'on arrive en première année de bachelor pour être le professionnel qui sait déjà tout faire. On n'attend pas que vous sachiez faire un site internet, le développer, le designer, etc. Donc moi, je suis arrivé avec des petites compétences sur le montage vidéo, forcément, et quelques connaissances digitales, puisque c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Mais voilà, pas grand-chose de plus. On avait des questions, si je me souviens bien, je crois que j'en avais une sur « Savez-vous où est-ce que seront déroulés les JO dans 4 ans ?» quoi. Et simplement, le but, c'est de pouvoir répondre, montrer qu'on a un intérêt pour la culture en général. Des questions digitales, forcément, si je me souviens bien aussi, on avait une question sur qui est le PDG actuel de Amazon. Et donc, voilà, simplement savoir un peu est-ce que vous intéressez, est-ce que vous touchez un peu à tout, est-ce que vous suivez des articles, des petites tendances. Et donc, répondre ensuite avec ces mots et avec ces connaissances qu'on a. Merci Mathis pour ton partage d'expérience. Bien sûr. C'est effectivement ce qu'on recherche dans l'entretien, le test écrit, tu l'expliques très bien. C'est d'abord te connaître, comme on le disait tout à l'heure, quelle est ta particularité à toi, et puis ensuite de regarder un petit peu ta culture, et ensuite c'est à nous, un travail pédagogique, de vous amener sur les axes qui sont présentés, que ce soit le cursus digital, design ou animation. Je précise pour le cursus digital qui se passe en partie en alternance qu'il n'est pas nécessaire au départ d'avoir l'entreprise qui va vous prendre en alternance au moment où vous passez l'entretien. Ça, c'est une question qu'on nous a posée sur les réseaux là tout à l'heure. Oui, c'est judicieux de commencer à chercher une entreprise le plus tôt possible, puisqu'une fois qu'on a une entreprise qui est d'accord pour vous prendre en alternance, tout est beaucoup plus facile, et ça enlève un poids sur les épaules, mais ça n'est pas nécessaire de l'avoir trouvé quand on postule. Nous, à l'intérieur de notre école, on a un responsable de l'alternance qui vous aide, qui vous coach dans votre recherche d'entreprise. Donc, ça passe par des sessions de formation où on va vous aider, vous donner des tuyaux pour trouver ces entreprises. Et on trouve ces entreprises. Même dans une année Covid compliquée à tout niveau, tous nos étudiants sont positionnés en entreprise sur le master digital. Et il n'y en a pas un qui n'a pas trouvé. Donc, rassurez-vous, n'hésitez pas. Les masters de l'ECV dans le cursus digital jouissent d'une très, très belle réputation dans le monde de l'entreprise et notamment sur Nantes, puisque Nantes, vous le savez, c'est une ville de la French Tech qui mise énormément sur le digital. Et nous, on accompagne ce mouvement-là en travaillant avec aussi Nantes Métropole très régulièrement et d'autres partenaires institutionnels, entreprises qui sont des acteurs de cette action numérique très forte au sein de la ville de Nantes. Donc, pas d'inquiétude, passez vos entretiens et les entreprises se trouveront sans trop de difficultés d'ici à la rentrée. Alors, il nous reste à vous dire
déjà à remercier ces deux étudiants qui ont bien voulu partager leur expérience puisque c'était très enrichissant. Il nous reste à répondre à vos questions, mais avant ça, vous dire que si vous souhaitez si votre book n'est pas encore tout à fait finalisé et que vous vous dites ah mince, il me manque pas mal de choses dans mon book au vu de ce que j'ai vu ce matin, etc. N'hésitez pas, on organise des stages découvertes au sein de l'école, on espère en présentiel, du 22 au 24 février par petits groupes, évidemment dans le respect des règles sanitaires actuelles, donc voilà, par petits groupes de 10, du 22 au 24 février. Le thème, c'est le street art. Et à travers ce thème, on aborde le dessin, le volume, la photo, etc. L'animation, c'est pareil, c'est le même thème. Et pour le coup, on va aussi designer, enfin faire du chara-design, faire des exercices d'animation, etc. Pour le cursus digital, ça se passe en ligne, en visio, c'est national. Ce sont les Digital Days, pareil, du 22 au 24 février. Et vous allez également pouvoir assister à des démonstrations, à des exercices qui vont enrichir votre approche du digital et pouvoir préparer vos entretiens. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour répondre à la première question, une des questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure et qui défile là sur notre petit écran à côté, on nous demande si c'est possible de faire une prépa dans une certaine ville et puis ensuite de basculer dans une autre ville pour faire sa deuxième année. Anaïs, est-ce que tu veux bien répondre à cette question ? Tout à fait. Alors, il est possible d'intégrer le CV en deuxième année pour le cursus design, que ce soit également le cursus anime ou le cursus digital. Donc oui, vous pouvez tout à fait faire une première année d'études dans ces milieux-là, dans une école différente de celle de l'ECV. On passera un entretien, encore une fois, toujours pareil, avec un book également, si c'est pour le cursus design et animation. Et puis, on regardera si effectivement vous avez acquis les compétences nécessaires pour une entrée en deuxième année. Je fais une petite aparté aussi. Si un étudiant a fait sa prépa à l'ECV Paris, par exemple, il est tout à fait possible aussi de demander à faire passer l'étudiant sur un campus nantais ou sur le campus lillois en deuxième année, troisième année ou même avec un cycle master. Ce n'est absolument pas impossible. On a une autre question qui nous dit « Je ne sais pas dessiner. Est-ce que je peux présenter un book où il n'y a pas du tout de dessin ?» Anaïs, te laisse répondre à ça. Or, si l'étudiant n'a pas du tout de dessin, il y a un autre univers, donc ça peut être de la musique, de la vidéo, de la photo. Et puis, dans ces cas-là, ce que je conseillerais, moi, à cet étudiant, c'est justement de faire ces stages découvertes. Puisque dans le dessin, on a toujours très peur parce que la première idée qu'on se fait d'un dessin, c'est soit un portrait, soit une nature morte. Et effectivement, quand on ne sait pas dessiner, on a très peur de faire ça. Mais le dessin, c'est beaucoup plus large. Ça peut être du collage de plusieurs images. Ça peut être aussi de la peinture en aquarelle mélangée. Ça peut être un volume, c'est-à-dire avec du papier. J'essaye de faire une forme. C'est plein de choses, le dessin. C'est pas uniquement un portrait. Donc, oui, on va recevoir un book qui sera composé de photos, de vidéos, de collages. Et puis surtout, si vous pouvez, faites ces ateliers découvertes qui va vous ouvrir un champ dans la perspective du dessin qui peut faire si peur alors qu'on n'a jamais fait dessin de sa vie. Alors, on a une autre question qui nous dit « Comment est-ce que je peux faire pour passer un entretien ?» Donc ça, on vous le rappelle, il faut nous appeler à l'école et on vous rappelle ou on vous répond tout de suite et on vous cale un entretien en fonction de vos disponibilités. Et puis sinon, on fait une demande sur le site internet, tout simplement une demande de rendez-vous sur le site internet. Donc ça, voilà, il suffit de prendre contact avec nous et puis ensuite, nous, on se chargera de prendre le relais et d'organiser tout ça. Une autre solution pour voir un petit peu tout ce qui se passe à l'école, surtout en ce moment où on ne peut pas accueillir de public, sont les journées portes ouvertes. Donc, il y en a déjà eu deux en virtuel au mois de décembre et au mois de janvier. Vous pouvez les retrouver, je pense, sur YouTube ou même sur le site internet de l'école. Et puis, il y en aura une prochaine au mois de mars. Donc, à vos agendas, tout le monde. Ce sera le 20 mars prochain et vous pouvez déjà vous y inscrire. Alors, on ne sait pas, peut-être en présentiel ou sinon de toute façon en virtuel maintenant, on est habitué. Ce sont des journées où on propose plein de cours,
plein de vidéoconférences, plein de témoignages d'étudiants. On montre ce que font nos élèves dans une galerie de travaux. On fait visiter l'école virtuellement, bien sûr. Et puis, on répond surtout à toutes vos questions, puisqu'on est tous mobilisés, étudiants compris, lors de ces journées-là. Donc, 20 mars prochain, les prochaines portes ouvertes. Et il nous reste à vous dire au revoir, vous souhaitez de passer une belle journée et on espère vous retrouver vite lors d'un entretien en visio avec vous. On espère que cette conférence a été enrichissante pour vous. On remercie encore une fois les deux étudiants, Lucille et Mathis, d'avoir bien voulu partager leur expérience. Merci Anaïs aussi. Et puis, au revoir et à bientôt. Merci à tous. À bientôt.